Bonjour et bienvenue à notre podcast sur la criminologie, en particulier sur l'histoire de la criminologie dans différents pays européens. Je suis Marcelo Evi de l'Université de Lausanne. Marcelo Evi, c'est aussi une manière de le prononcer. Et le co-animateur qui va s'introduire maintenant. Oui, bonjour, je suis Levin Powers de l'Université de Gand et on fait ce projet ensemble. Exactement. Alors, comme aujourd'hui l'interview est en français, je vais parler un peu trop, mais voilà, nous avons aujourd'hui comme invité le professeur Roberto Gatti de l'Université de Gênes, Genova, Italie, ancien président de la Société italienne de criminologie, membre du Board de la Société européenne de criminologie. On ne va pas s'attarder trop sur les titres, parce qu'il y en a beaucoup. Mais on va se centrer sur notre projet, justement, retracer un peu l'histoire de la criminologie dans différents pays européens. Donc, ce sera un podcast en français et en anglais. On mettra des sous-titres pour les Français. Et je promets de parler moins lorsque ce sera en anglais et donner davantage la parole à Liven. Alors, Roberto, bienvenue. Merci. Donc aujourd'hui, on aimerait commencer avec l'histoire de la criminologie en Italie. Et où est-ce que tu placerais ces débuts de la criminologie en Italie? Oui, en parlant dell'Italia, il faut dire che l'histoire della criminologia è probabilmente beaucoup plus importante della criminologia attuale, parce que nous avons une longue et importante histoire. E chi ne può rappresentare la criminologia attuale, chi è piuttosto in crisi, come je dirai più tardi. Ma en parlant dell'histoire, vous savez, la plupart des criminologues font commencer notre discipline au XVIIIe siècle avec Beccaria o au XIXe siècle, un siècle plus tard, avec Lombroso. Avec l'école classique ou avec l'école positiviste. Bon, il y a quelqu'un qui a trouvé aussi des traces de la criminologie à la Renaissance. Par exemple, Schelling, qui a été le président de la Société internationale de criminologie, soutenait qu'il y avait un médecin italien, Giovanni Battista Della Porta, qui est vécu au 1500-1600, qui avait étudié les délinquants d'une façon scientifique. Il avait étudié soit les détenus dans les prisons de Naples, soit les cadavres, les autopsies, et il avait élaboré une théorie sur la délinquance qui se référait un peu à la physionomique aristotélienne. Et il était un médecin très connu, il était le médecin du pape, et il donnait des expertises sur la dangerosité, et même j'ai trouvé dans un livre d'histoire écrit qu'on lui demandait des expertises pour décider si condamner à mort ou non un délinquant en fonction de la dangerosité. Il faisait des expertises sur le visage, non? Un peu comme Ferrà Lombroso, etc. Alors quelqu'un a pensé qu'il pouvait être considéré le premier criminologue. Bon, moi, je pense que si on pense à la criminologie comme science empirique, il faut considérer Lombroso comme celui qui a fondé cette discipline. La raison n'est pas sur le fait qu'il a élaboré les premières certaines théories, parce que la plupart de ces idées étaient déjà présentes dans la psychiatrie du XIXe siècle, mais il faut les considérer comme les fondateurs parce qu'il a été le premier à penser qu'on pouvait fonder une science sur les crimes, une science sur la criminalité. Avant, c'était des psychiatres, des juristes, des philosophes qui s'occupaient des causes du crime. Quoi faire avec les criminels, etc. Mais l'idée de faire une science qui s'occupe seulement du crime, du criminel et de la réaction au crime a été élaborée pour la première fois par Lombroso.
E se lui, in qualche sorta, c'è pure lui che non ha istituzionalizzato la disciplina, non ha creato de share alle università, non ha fondato dei de giornali, non ha fondato delle società di de criminologia, eccetera. Però il l'appelle antropologia criminale, lui non ha fatto le premie all'appelle criminologia, ma anche le premie ha fondato in scienza, come so. Le mo criminologie ha été élaboré par un autre italien qui est un élève de Lombroso, Garofalo. Et sur ça, on a eu un débat parce que les Français soutenaient que c'était topinard, mais en fait, un criminologue américain, Pierce Byrne, a fait dans son livre Inventing Criminal. Ha fatto un petit chapitre sur les mots criminologie e l'ha dimostrato che Garofalo è arrivato qualche anno avant Topinard e aveva scritto un libro, Criminologia pour le premier. Allora, noi abbiamo aussi, come italiani, cet honneur d'avoir inventé les mots criminologie. Lombroso, évidemment, a été très important pour une autre discipline. Je ne veux pas trop décrire Lombroso, qui est très connu. Je veux seulement souligner qu'il y a maintenant un nouveau intérêt pour Lombroso. Dans ces dernières 10 années, sont sortis une quantité énorme de livres et d'articles sur Lombroso. Peut-être c'est lié aussi au fait qu'il y a un intérêt pour la psychiatrie biologique. La biologie dans les domaines psychiatriques est devenue très importante. Mais par exemple, deux criminologues, deux femmes américaines, Nicole Rafter et Mary Gibson, ont tout un projet. Une est décédée malheureusement récemment, mais ils ont élaboré un projet de réétudier Lombroso. Ils ont commencé à publier Lombroso aux États-Unis. Lombroso avait été publié seulement dans quelques parties de ses livres aux États-Unis et jamais on n'avait publié entièrement son œuvre principale, L'uomo delinquente. Et ils ont traduit aussi La femme criminelle et partout dans le monde, on a penser de réétudier Lombroso. En Italie, on a fait des congrès pour le centenaire de la mort. Il était mort en 1909 et en 2009, on a fait des importants congrès avec des experts internationaux. On a publié des actes, on a publié des livres. Et alors, on a un peu repensé à Lombroso. Évidemment, moi, quand j'ai donné mes cours à l'université, j'ai fait quelques blagues sur Lombroso, j'ai parlé quelques minutes et après, j'ai passé à autre chose. Et maintenant, non, j'ai réétudié la chose et j'ai trouvé qu'il est vraiment intéressant et impressionnant ce qu'il a fait. Tous ceux qui parlent de Lombroso, ils donnent en quelque sorte une double image. Négative et positive. Et en effet, il faut dire qu'en Lombroso, il y a des choses très intéressantes, mais aussi des choses qu'il faut absolument condamner. Et mon idée générale est qu'il a donné plus d'importance à la quantité de recherches, de données, d'informations, d'analyses qu'à la qualité. C'est le contraire de Darwin. Darwin, avant de publier une chose, il passait des décennies. Darwin a attendu des décennies avant de publier ces choses. Lombroso, c'est le contraire. Il trouvait une chose, une fossette dans le cerveau, il publiait immédiatement les choses plus bizarres. Pourquoi les prêtres ont la jupe ou des choses comme ça, il publiait, ou les crimes, la bicyclette. Alors il faisait des choses.
Vraiment, mais il avait beaucoup d'idées originales, intéressantes, des données d'ordre anthropologique, des statistiques, des données biologiques, alors toutes sortes de choses, mais évidemment qui étaient peu filtrées par la critique. Alors, le plus intéressant pour la foire d'avoir, disons, lancé des idées que pour avoir démontré des choses. Il y a quelqu'un qui dit qu'il démontrait ce qu'il voulait démontrer, mais sans jamais vraiment faire une analyse critique des méthodes, etc. Il est connu évidemment pour ses idées biologiques, les délinquants-nés, l'atavisme, le fait que certains types de délinquants, au moins, rassemblent des hommes primitifs. Et pour cette raison, ils ne savent pas contrôler les impulsions et alors ils font des actes criminels. Ça, c'est l'idée centrale, l'idée d'atavisme, hein, une sorte de retour aux hommes primitifs. Mais à côté de ça, il a mis beaucoup de choses. Et il faut dire qu'il est passé de la première édition de l'homme criminel. Est de 1876. Et 21 années après, il a publié la 15e édition. La première édition était 255 pages. La 4e édition, en 4 volumes, était 2138 pages. Alors, et ça, ça représente bien comme Lombroso a accumulé des choses, des théories, des données, etc. Et il a, à côté des choses biologiques, il a ajouté alors des facteurs psychologiques, à côté des facteurs psychologiques, les facteurs sociologiques, les facteurs économiques même. Et je pense que cette évolution de la première à la cinquième édition montre bien la personnalité. La personnalité scientifique de Lombroso, toujours la quantité, hein, ajouter des choses, élaborer des choses, lancer des idées, etc. C'est-à-dire qu'il a fait 5 ou 15 éditions? 5 éditions. La cinquième, c'est de 1897. Hein. Il y a un sujet intéressant dont nous avons parlé une fois, c'est l'évolution de la pensée d'une personne à travers ces éditions, parce que tu m'avais parlé du nombre de, c'était le pourcentage de criminels innés qui diminuait selon les éditions, non? Oui. Il passe de 70 à 30% pour les criminels typiques, disons, les criminels innés. Alors, dans la première édition, c'était à peu près 70%, et la dernière, c'était 30% parce qu'il fait des classifications, alors délinquance économique, délinquance d'occasion, etc. Et il faut dire que il est connu un peu comme raciste, no? Quelqu'un fasciste, mais il était socialiste. Et il a été même dans la mairie de Turin et il proposait des solutions pour aller en contre aux pauvres, etc. Alors, il était un réformateur. Alors, pour un certain aspect, il était raciste parce que, disons, son concept biologique, par exemple, sur les races, il a, comme à l'époque tout le monde avait, non, l'homme blanc, etc. Mais, au point de vue, disons, politique, il faut dire qu'il était un réformateur. Il voulait réformer la société, etc. Et il arrive à dire, par exemple, que le lieu au monde où il y a plus de criminels, c'est le Parlement italien. Alors, tu comprends que il y a des phrases qui semblent la criminologie critique des années 60, la loi va contre les pauvres, les riches sont respectés même s'ils sont plus criminels, les vrais crimes sont les banques, etc. Et surtout, il y a un livre intéressant sur la criminalité économique, parce qu'à la fin
du siècle, la fin du 19e siècle, on a eu en Italie des scandales sur la banque romaine, qui était la banque plus importante en Italie. Il était impliqué le gouvernement, même le roi. On a eu des députés qui se sont suicidés, etc. Et après ces scandales, disons, l'école lombrosienne s'est interrogée, non? Parce que, disons, la théorie sur le carnet n'était pas bien adaptée à expliquer ces crimes. Et on trouve même dans l'uomo delinquente une description du white collar crime, si on veut. On peut dire que Lombroso était entre les premiers il y a même un dessin avec un délinquant en cravate, etc. Pour montrer qu'il n'y a pas seulement les délinquants nés, mais il y a aussi les délinquants de l'autre société. Alors, si on entre un peu dans l'histoire de l'évolution de Lombroso, on trouve, disons, différents aspects. Il y a toujours un peu cette ambiguïté, des choses très intéressantes, des choses stupides, des choses racistes et des choses progressistes. Alors, c'est un personnage vraiment complexe et contradictoire et ambivalent, mais qui a donné beaucoup, disons, à la science. Il faut considérer que dans les dernières décennies du 19e siècle, Lombroso était le savant italien plus connu au monde, dans toutes les sciences. Et il a été traduit dans non, je ne sais pas combien de langues, il était invité partout, il donnait des conférences dans tout le monde. Vraiment, il a eu un succès énorme. Et disons, l'importance de Lombroso est aussi dans son école, parce qu'il a eu beaucoup de élève très, très important, peut-être le plus important est Enrico Ferri, qui était un criminologue et un juriste, qui a écrit un livre di sociologie criminelle, sociologia criminale, e qui l'ha, disons, il était un élève, allora il a toujours adopté la perspective positiviste, ma il a donné importance à facteur sociaux. Lui aussi, c'est étrange, parce que lui aussi a en soi un peu cette contradiction. Il était socialiste, il était un avocat très connu qui a défendu des personnes qui ont été arrêtées pour des grèves, etc. Alors, il était l'avocat des ouvriers, disons, des syndicats, etc. Il était très progressiste et à la fin de sa vie, il était devenu sénateur, nommé sénateur par Mussolini. Alors, tu vois, ancora cette ambiguità. Le fameux criminologue Radzinovich, le fondateur de l'Institut de criminologie de Cambridge, il a publié quand il avait, je pense, 90 ans, très, très vieux, il a publié sa biographie scientifique. Et dans la première page, il raconte qu'il avait étudié à Rome quand il était très jeune. Il avait étudié à Rome à l'école de droit pénal dirigée par Ferri. Et un jour, il était à la bibliothèque, il lisait un livre, arrive le grand Ferri, alors il était professeur de droit pénal, connu dans tout le monde, etc. Et il lui dit, qu'est-ce que tu lis? Et il lui dit, je suis en train de lire Lombroso. Il dit, ah, mais attention, parce qu'il était très brillant, mais aussi il n'était pas tellement bon. Alors lui aussi donne une vision ambiguë. Mais ce qu'il dit dans sa première page, Radzinovich dit, moi, dans ma vie scientifique, j'ai été influencé par plusieurs personnes, plusieurs scientifiques, mais j'ai eu un unique vrai maître, et ce maître est Enrico Ferri. Et il le défend aussi au point de vue politique parce qu'il a en quelque sorte eu des compromis avec le fascisme parce qu'il voulait introduire son code. Il avait élaboré un code
qui était fondée plutôt que sur la responsabilité, sur la dangerosité, selon une vision, l'ambrosienne, positiviste, etc., mais qui a échoué. Enfin, c'est une version contraire qui a eu le succès en Italie, le code rock. Alors, il a échoué dans son projet. Mais disons che Ferri aussi a fondé une école, a eu des élaborations très, très poussées en Italie qui ont eu beaucoup d'influence. Juste une chose pour Ferri, parce que c'est intéressant parce que tu expliques ici son rapprochement du fascisme. En général, ce que nous lisons, c'est qu'il a signé les manifestos de soutien. Mais en fait, ouais, maintenant, je vois, il voulait faire passer son code et donc il a fait des compromis dans ce but-là, chose Oui, qu'il ignorait complètement. Je te oui, remercie. oui. Et tu m'avais dit aussi pour la phrase de, si je me souviens bien, hein, une fois tu avais fait une belle présentation sur Lombroso à la Société européenne de criminologie à la conférence de Bologne. Je pense que la phrase que tu m'avais dit, c'était que Ferri avait dit, Lombroso, c'est un homme de génie, mais il n'est pas intelligent. Hein? C'était ça? J'ai la phrase exacte quelque part ici, mais oui, quelque chose, non, pas intelligent, ma il avait bon, je trouverai la phrase. C'est comme chi était le criminologue argentin qui avait dit, es un hombre génial, ma non es intelligente. C'est lui Ah, qui avait dit ça. ingénieros. Ah, c'est Oui, lui qui l'a dit. c'est Pardon. lui qui avait dit ça. J'ai Oui, mélangé les deux choses. Ok, ouais, oui, c'est il a mangé ingénieros. quelque chose, oui. Il s'appelait en fait Giuseppe Ingenieri, parce Sì, qu'il est né a ingegnere, Palermo, sì. Italia. Il y a eu une confusion parce qu'il Ah, ah. y a un quartier qui s'appelle Palermo aussi en Argentine, fondé par des Italiens évidemment. Et parfois les gens pensent que, comme il a. Il a hispanisé, ouais, je ne sais pas si on peut dire hispanisé, mais il a rendu en espagnol le nom. Hein, donc il a commencé à signer José Ingenieros, mais son vrai nom c'était Giuseppe Ingenieri. La fille d'Ingenieros, elle était très amie de Borges, Cecilia Ingenieri. Ah, oui. Et Borges, tu m'as fait penser, après je m'étais, je jure, et je donne la parole à Liven. Une chose que tu as dit, non, Lombroso. Ouais, c'est le point de départ. Et après, on peut commencer à retrouver des antécédents. Et c'est quelque chose que Borges, il dit pour Franz Kafka. Et je pense qu'on l'a mis dans une introduction, un numéro spécial de l'European Journal of Criminology. C'est que les grands auteurs, on peut discuter si ça veut dire grands, créent leurs propres précédents. Et donc, on lit différemment une fois que Lombroso est là. On lit de la Porta différent et on lit Beccaria différent. C'est comme si s'il créait ses propres prédécesseurs. Hein. Liven, tu voulais dire quelque chose à un moment donné, il me semble. Beaucoup de gens qui ont lu Lombroso ont l'impression que Lombroso a prêté beaucoup d'idées de Darwin, mais moi je pense que c'est plutôt les idées de Herbert Spencer qui sont utilisées. Et ainsi, tout le monde pense que c'était Darwin qui avait ces idées négatives et la connotation négative. C'est plutôt la faute de l'interprétation de Herbert Spencer, donc le darwinisme social qui n'était pas du tout l'idée de Darwin. Darwin a parlé surtout sur la collaboration et pas sur la compétition. C'était donc une malinterprétation, enfin, à mon avis. Donc, l'ambiguïté de Lombroso, je pense que. Oui, il faut en réfléchir. Ça, plutôt la faute de Spencer que de les idées de Darwin. Donc, et dans le temps, oui, tu as raison, tout le monde utilisait ces idées. Hein, donc, les progressives, les catholiques, les conservatives, tout le monde était enfin, dans cette époque, tout le monde croyait qu'on pouvait améliorer la société. Donc là, il y a aussi une contradiction, je trouve, parce que on parle du déterminisme et en même temps, on parle de l'idée d'améliorer la situation pour les pauvres, pour les gens qui ont des problèmes. Donc, si on croyait vraiment au déterminisme, on ne pourrait pas changer quelque chose. Donc là, il y a
contradiction intéressante dont on ne parle pas maintenant. Oui, moi j'ai récemment étudié les rapports entre Lombroso et Darwin. Et en effet, tu as raison, parce que la plupart des de ceux qui ont étudié Lombroso, ils pensent qu'il avait été beaucoup influencé par Darwin. Mais des autres historiens plus récents ont montré que c'est pas tellement vrai. Qu'il a été, oui, Spencer sûrement l'a influencé, et il a eu une influence plutôt par un évolutionnisme général qui était comme de Lamarck, etc., répondu à l'époque. Il y a une chose qui semble rapprocher Lombroso et Darwin, et le concept d'atavisme. Parce que Darwin aussi a écrit qu'il y a des personnes qui semblent montrer des aspects des hommes primitifs et qui ont des actes alors déviants, etc. Mais pour Darwin, c'était une hypothèse marginale. Et au contraire, pour Lombroso, c'était le centre de sa théorie. Et alors, sûrement Lombroso connaissait Darwin, et même il l'a lu. J'ai vu dans un livre d'histoire qu'il avait lu même avant qu'il était traduit en italien, il avait lu, parce qu'il était très cultivé, Lombroso connaissait bien l'anglais, l'allemand, le français, il étudiait toujours. Mais l'influence de Darwin sur Lombroso, comme tu l'as dit, c'est relative. Il y a une certaine influence, mais pas si forte comme on pensait avant. J'ai trouvé la phrase de Razinovic. Au commencement de livre de Razinovic, de Maestro, il dit: What are you reading, young friend? Di Razinovic, di Ferria Razinovic. Se Cesare Lombroso, l'uomo delinquente. Very good, di Ferri. But always remember that Lombroso was a genius who lacked talent, che manchè di talento. Se toujours un peu per nuancer. Et tout le monde disait des choses comme ça. Par exemple, Wolfgang, in the history of criminology, probably no name has been elogized or attacked such much as that of Cesare Lombroso. Es un hombre geniale, però non es intelligente. Allora, tout le monde parle de deux aspects, en quelque sorte, de Lombroso. Mais, bon, alla suite, disons, de Lombroso, l'école de Lombroso a eu des développements alors très intéressants, parce que ses élèves ont fondé, par exemple, la police scientifique, Ferri alors la sociologie criminelle, Salvatore Ottolenghi la police scientifique. Il a créé aussi des oppositeurs, par exemple Colajanni, c'est un médecin qui avait défendu, disons, le sud de l'Italie, parce que Lombroso considérait un peu le sud comme une race inférieure. Alors Colajanni a souligné au contraire les aspects économiques, il était la pauvreté, la discrimination, etc., qui faisait que le sud s'est développé, etc. Alors il était un avversaire très, très fort de Lombroso. E Colajanni a été celui qui a lancé la bataille contre la banque romaine qui a créé tous ces scandales-là au Parlement. Alors, bon, je pense qu'il faut un peu aller plus avant. La chose, ancora, un rapport en quelque sorte Lombroso-politique. Les deux beaux-fils de Lombroso, Ferrero et Carrara, ceux qui ont marié les deux filles de Lombroso, ont dû partir de l'Italie parce qu'ils étaient contre le fascisme.
Ferrero, che ha Marie Gina Lombroso, il ten historien, tra voi avete invité par Roosevelt, o se tu as unia, le premier Roosevelt, a donner de conférence, il était un savant, il avait écrit avec Lombroso la femme de l'incan, la donna delinquente. Et sa femme, Gina Lombroso, était un médecin qui avait publié des articles, elle aussi, d'anthropologie criminelle, mais est devenue la biographe de son père. Il a publié une biographie, la plus connue biographie de Lombroso a été écrite par sa fille. Justement, pour Ferrero et Lombroso, Guglielmo Ferrero et Gina Lombroso, ils sont deux exilés ici en Suisse. Oui. Il vivait à Vevey. Exactement, il vivait ici à 2-3 kilomètres. Oui, près de quoi, exactement, il est mort au Mont Pèlerin. Oui. Et ils sont tous les deux dans le cimetière de Roi à Genève, à 20 mètres du tombeau de Jorge Luis Borges. Oui. Donc on revient encore une fois à ces... Oui. Et c'est intéressant parce que Gina, lorsqu'elle a toujours accompagné son mari dans les voyages, et oui. Et elle a écrit un livre sur son voyage en Amérique latine. Elle a un livre dans lequel elle décrit notamment l'Argentine. Ce n'est pas seulement à Buenos Aires qu'elle a été, mais ça s'appelle Voyage a Meridionali, le titre. Mais c'est assez impressionnant. Mais bon, je voulais juste, c'est une note de couleur, mais je voulais la dire. Mais les choses intéressantes, c'est que Le deux filles de Lombroso, Gina et Paola, ont été beaucoup influencées par Anna Kulishoff, qui était une révolutionnaire russe qui avait étudié en Suisse. Et après, elle était venue en Italie et elle avait marié Turati, qui était et elle aussi a été une des fondatrices de Parti socialiste italien. Elle était un médecin, elle était appelée le médecin des pauvres, alors elle était très engagée et très révolutionnaire aussi. Et elle fréquentait la maison de Lombroso. Chez Lombroso, tous les intellectuels allaient, Durkheim, tout le monde. Et les deux filles, Gina et Paola, ont été beaucoup influencées parce que c'était une femme très dynamique. Et par exemple, Paola, celle qui a marié Carrara, a fondé il Corriere dei Piccoli, un petit journal pour les enfants. Et elle a organisé des bibliothèques rurales dans les petits villages. Elle a fondé une énorme organisation qui allait dans les petits villages pour organiser des bibliothèques. Alors, comme tu vois, très, très progressiste. Et Carrara, l'autre élève de Lombroso, Carrara a pris la chaire, l'enseignement d'anthropologie criminale à l'Université de Turin. Carrara, ça a été l'élève. Il a été un des 12 savants qu'on n'a pas signé pour la fidélité au fascisme. Tu sais, à un certain point, en Italie, tous les professeurs à l'université ont été obligés de signer « Je respecte ma patrie, je respecte l'Italie et je respecte le fascisme ». 12 seulement, entre les milliers de professeurs italiens, seulement 12 ont refusé et ils ont abandonné alors. Ils ont dû abandonner l'université. Et un des 12 était Carrara. Et juste une dernière chose, là, je ne sais pas, moi je sais que j'ai lu ça, mais je ne peux pas le retrouver. Il me semble que c'est dans La Vita di Lombroso, le livre, la biographie que Gina lui a dédiée. Parce que Lombroso, finalement, dans La femme de l'encante, c'est complexe, on ne va pas résumer l'argument, mais finalement, il avait une idée qui n'était pas très positive des femmes. Mais vers la fin de sa vie, je sais qu'il a dit, je ne sais pas si dans une lettre, qu'en regardant sa fille, notamment Gina, comment elle avait évolué, que
il avait changé son, sa manière de penser et il était aussi plutôt dans le sens qu'à éducation égale, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais je n'arrive pas à retrouver cette, ce changement dans sa position. Il faut, que, il faut relire la, la vita di Lombroso. Sur, sur les livres, tu trouves des choses sur les femmes épouvantables. Par exemple, il dit que la, la femme est un homme mal réussi ou que la femme est moins intelligente et moins morale. Des choses, mais bon, j'en ai discuté avec des historiens et ils disent que c'était les préjugés de l'époque. Parce que il faut faire attention. Maintenant, il y a un mode d'évaluer les anciens avec la sensibilité d'aujourd'hui, non? Comme les statues. Et on ne peut pas, on ne peut pas interpréter, disons, les savants du 19e siècle avec la sensibilité ou les idées que nous avons aujourd'hui, évidemment, non? Alors, il y avait toute une série de préjugés que c'était les préjugés de l'époque. Et en général, disons, l'image que Lombroso donne de la femme est une image terrible, très raciste. Peut-être que, je ne savais pas ça, peut-être que. Mais comme tu vois, ses filles, par exemple, ont beaucoup évolué. Ils avaient des idées contraires d'évolution en faveur de la femme, etc. Si on considère un peu les différentes phases de la criminologie en Italie, alors nous avons cette. Un peu pré-criminologie à la Renaissance, nous avons vu de la porte, etc. Et après, on a eu au siècle des Lumières, surtout Beccaria, le positivisme, la grande alors, période de la psychiatrie et de Lombroso, et disons, la fin du siècle, on a eu un déclin dell'école lombrosienne e alla morte di Lombroso nel 1909 Lombroso aveva été plutôt abbandonné disons par la science officielle e il y a un fameux intellectuel le père Agostino Gemelli, c'était un franciscain qui a fondé l'Université catholique de Milan, c'était un médecin, psychologue, il a introduit la psychologie en Italie, etc. Alors, il était très puissant, il avait une influence sur l'université. Il a écrit, à la mort de Lombroso, un article. Morte di un uomo e della sua dottrina. Tu sais, quand quelqu'un meurt, en général, on fait les éloges, no? E lui a écrit un article. Morte di un uomo e di una dottrina, come dire, Lombroso è morto e sua teoria è morta, perché diciamo, l'Église n'accepte pas l'approccio déterministe contro il libero arbitrio, eccetera. Après ça, avec diciamo, l'arrivée du fascisme, criminologia, sociologia, eccetera, n'était pas accepté, c'était des sciences critiques en quelque sorte, no? Critique de la société, eccetera. L'antropologie criminelle, la criminologie a été presque complètement abandonnée. Dans les années 30, jusqu'à la guerre, disons, on a eu quelque chose. Une personne a créé un peu un pont, c'est Di Tullio, qui est un peu lombrosienne, un peu aussi des nouvelles idées, etc. Mais disons que la criminologie est presque morte dans les périodes du fascisme. Et on a recommencé avec la criminologie après la guerre. Après la guerre, on a alors une nouvelle phase de laquelle on va parler. Donc, on pourrait dire qu'à la période fasciste, bon, il y a eu la guerre aussi, mais c'est déjà moins fort la criminologie. Hein? Oui, oui, c'est presque abandonné. Oui. Presque abandonné. Okay. Il y a quelques petites choses, mais c'est presque abandonné. Il n'y a plus de chair, il n'y a rien. Mais il n'y avait pas de disciples directs, donc ok, Ferri et Garofalo, ils ont tous étudié avec Lombroso, mais eux, ils n'avaient pas de disciples.
Les juristes, disons, ont vaincu l'école classique. Alors, c'est l'autre école qui a dominé, disons. Ouais. Et dans les sciences sociales, n'était pas tellement répandu et en médecine a été presque abandonné, tu comprends? La sociologie n'existait presque pas en Italie. Bon, je recommence mon histoire. C'est juste une dernière chose là. Comment ça s'est fait? Parce que ça m'étonne, non? Il y a une conjonction. Je comprends cette idée de voler des personnes, hein, la génération. Donc il y a une génération importante. Comment ça s'est fait qu'aucun, est-ce qu'ils n'ont pas su préparer leurs étudiants pour les faire remplacer? Parce que ça, c'est un problème classique. Par exemple, les jésuites qui sont allés en Amérique du Sud, quand ils ont été expulsés, toutes les missions qu'ils avaient créées, donc, d'ailleurs, il y a une province atlantique qui s'appelle Misiones à cause de ça, elles ont été abandonnées. C'est comme, ils les avaient, tu vois, le proverbe chinois, à celui qui a faim, ne lui donne pas du poisson, mais enseigne-lui à pêcher. C'est comme s'ils n'avaient pas préparé. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Comment ça s'est fait qu'il n'y a pas eu quelqu'un qu'ils aient placé leurs étudiants avec l'histoire qu'il y a de certaines universités, qu'ils n'aient pas placé leurs étudiants là? Je ne comprends pas. Ça a été un peu une lente décadence de l'anthropologie criminelle. Et après, n'a plus eu une hégémonie culturelle. Et alors, bon, il y a des élèves qui ont développé d'autres choses, par exemple la police scientifique, no, comme Ottolenghi, etc. D'autres qui sont plutôt orientés pour la psychiatrie, disons. Ils ont pris un peu quelques directions différentes. Et Golgi est devenu un grand médecin. Alors, mais pas, disons, pas en termes d'évolution de la discipline. La discipline, ouais. c'est presque morte. Ouais. OK. Alors après la guerre, il n'y avait plus presque rien. Il y a un beau livre de Radzinovich, In Search of Criminology. Il fait un voyage en Europe pour visiter. Il avait étudié à Rome au temps de Ferri, no? Mais il a trouvé que la criminologie n'existait presque plus. Alors il décrit un peu la situation italienne. On recommence la criminologie dans les années 60, avec des chaires d'anthropologie criminelle, surtout dans les facultés de médecine. Alors ça, c'est une spécialité italienne, disons, no? C'est une anomalie dont nous avons expliqué les raisons historiques, mais quand on a reconstruit en quelque sorte la criminologie en Italie, on est reparti par les facultés de médecine. Hein. Et on a eu, dans les années 60, après la visite de Radzinovich, quelques années après, on a eu des chaires à Genova, dans ma ville, dans mon université, à Turin, où on avait eu l'ancienne anthropologie criminale de Lombroso, et à Rome. Et après, on a eu à Modena, on a eu à Bari. Alors, et c'était toujours à côté de la médecine légale. Alors, c'était plutôt une criminologie clinique. Hein. Mais dans les années 70, on a eu une autre, disons, en quelque sorte printemps de la criminologie, avec ces chaires ont développé des écoles de spécialisation. Alors, vous savez que dans les facultés de médecine, il y a des écoles de spécialisation en cardiologie, neurologie, psychiatrie, etc. Les professeurs d'anthropologie criminelle ont créé des écoles de spécialisation en criminologie, mais qui étaient ouvertes pas seulement à médecins, mais aussi à avocats, juges, psychologues, etc. Et on a eu des écoles à Gênes, à Bari, à Modena, à Milan, quatre ou cinq, qui ont créé alors des criminologues, parce que
C'était des personnes qui avaient un diplôme, qui étaient juristes, avocats, médecins, psychologues, etc., qui ont pris une spécialisation en criminologie et ont commencé à travailler, par exemple, dans les prisons ou comme juge expert chez les tribunaux, etc. Et alors, il y a cette génération de criminologues qui est née avec cette école de spécialisation. Il y avait quatre ou cinq écoles. Chaque année, il y avait une dizaine de personnes qui faisaient cette école. Et on a commencé à voir en Italie quelques centaines de criminologues qui, quelquefois, ils continuaient leur profession. C'était des juges simplement qui avaient fait cette spécialisation ou des avocats. Qui formait ces criminologues? C'était nous, c'était les professeurs d'anthropologie criminelle et leurs élèves. Mais toi, par exemple, tu es allé étudier la criminologie à Montréal, hein? Oui, par exemple, moi, mon professeur était le professeur Canepa, qui était le président de la Société italienne de criminologie. Il a fondé l'école de spécialisation en criminologie clinique à Gênes. Il a fondé la revue Rassegna di Criminologia, che è divenuta l'organo della Società Italiana di Criminologia. Il ha été presidente della Società Internazionale di Criminologia. Allora, il ha fondato un centro internazionale di criminologia clinica comparé avec Montréal, Zabo, eccetera. Moi e mon collègue Bandini, nous étions le jeune criminologue e, diciamo, notre génération a introduit les approches sociologiques. Parce que, bon, moi, par exemple, j'ai étudié à Montréal. Évidemment, quand je suis retourné en arrière, j'ai commencé en quelque sorte à contraster l'approche déterministe, positiviste. Alors, j'ai introduit l'approche interactionniste, l'approche critique, etc. Parce qu'à mon avis, là, il y a un point important. Hein. C'est le rôle du Canada. Parce que en même temps, tu étais au Canada, il y avait aussi, je sais que René Lévy de la France est allé, mais un peu plus tard que toi, je crois. Il y avait cette criminologue roumaine qui était là aussi. Comment elle s'appelle? Rodiu. Je ne sais pas s'il était là en même temps, mais Rodi Castanoio. Rodi Castanoiu. Donc, C'était avec moi dans le bureau. Elle est devenue ministre en Roumanie, tu sais. Justement, mais c'est intéressant. Là, il y a un point parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était aussi avec toi. Hein? Oui, Eric Tam. Ah, bah, tu vois, Eric Tam, Henrik Tam, le président de la Société européenne. Oui. Uberto Gatti, Stanica Rodiu, vous êtes tous là en même temps avec un Européen qui est Szabo, qui a quitté la Hongrie pour fonder la criminologie canadienne. Et là, cette expérience me semble quand même impressionnante parce qu'il y a ouais, le Hongrois qui quitte son pays, qui fonde un centre là-bas, qui trouve les ressources pour créer ce centre international, qui fait venir des Européens, qui reviennent et relancent la criminologie. C'est quand même assez intéressant et rarement mentionné. Bon, j'ai lu quelque part que la plupart des grands criminologues étaient des émigrés. Par exemple, Radzinovich était polonais. Hein? Oui. Il a émigré en Angleterre. Alors, il y en a plusieurs. Et, bon, je pourrais parler de cette expérience canadienne parce que ça n'a pas tellement à faire avec l'Italie. Mais Szabo avait créé à Montréal l'école de criminologie. Et avait obtenu par la fondation, il était très abile à trouver de l'argent. Il avait trouvé par la fondation Ford des États-Unis, la Ford Foundation, 10 bourses internationales chaque année. Et chaque année, il invitait chez lui, c'était des bourses pour faire un doctorat ou pour rester une année. Le doctorat était 2 années, tu pouvais choisir ou rester une année seulement, comme j'ai fait, ou rester 2 années faire le doctorat. Tu étais bien payé. Et comme ça, il avait chaque année 10 étrangers qui venaient étudier à Montréal.
Et 10 personnes faisaient une masse critique. Parce que nous étions 10 ensemble de différents pays. Par exemple, moi, il y avait un Égyptien, deux Italiennes, une Roumaine, une Argentine, il me semble, une Espagnole, un Suisse. Comment s'appelle celui d'Interlaken? C'est Chou tout court, il me semble. Il était professeur à Fribourg. Oui, Chou était Chou. Là avec moi. Ah, il était là avec toi. Oui. Mais tu vois, alors, tu vois ces liens, à mon avis, complètement oubliés. Chou, il a donné ses livres à la bibliothèque cantonale de Fribourg, et tous ceux qui étaient à double, ils allaient les jeter. Et oui. J'ai récupéré, je dois avoir ici une dizaine de livres qui proviennent de cette collection-là. Mais tu vois, et par pour. Après les années suivantes, Candido de Agra était là, par exemple. Pour nous, c'était le paradis, parce que, disons, en Italie, il n'y avait presque rien, sauf quelques médecins un peu lombrosiens. Et au Canada, il y avait toutes les nouvelles idées, la sociologie, la psychiatrie moderne. Il y avait des institutions comme Boscoville, très moderne, Pinel. Alors, c'était. Ils avaient beaucoup d'argent, énormément d'argent pour la recherche. Ils avaient fondé les universités, tu sais, c'était tout nouveau, tout riche. Ça, c'est presque oublié quand on raconte l'histoire. Beaucoup de professeurs de ta génération sont passés par le Canada, par ces centres internationaux. Et tu as mentionné quelques-uns et tous ceux sont devenus des professeurs ordinaires. Parce que Zabot avait accueilli aussi professeurs de partout. Il y avait Alain Berger, par exemple, c'était un psychiatre suisse extraordinaire. Il a écrit de l'histoire de la psychiatrie. Et il y avait Rico de l'Espagne. Il y avait Fattah de l'Égypte. Il y avait Chale, c'était d'origine italienne, mais canadienne. Alors, il avait recruté tous ses professeurs et fondé l'école d'ethnologie. Mais ça, c'est un peu une autre histoire. Il faut revenir un peu à nous. Non, revenons à l'Italie, mais c'est une histoire qui est pertinente, qui est presque oubliée. Ce rôle qui a joué durant quelques années, durant les années où ces bourses ont existé, parce que finalement, c'est le renouveau de la criminologie européenne qui vient grâce à ça. Sincèrement, sinon, je ne sais pas quel chemin ça aurait pris. Par exemple, il y a eu moins d'Espagnols qui sont allés là. C'est encore l'époque de Franco. Et oui. Ça, c'est dommage parce qu'il aurait pu. Bon, l'effet qu'il a eu sur toi, bah, ça aurait pu arriver aussi avant en Espagne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Revenons à l'Italie, mais je pense que c'est un bon détour. C'est un détour important. Oui. Alors, avec les années 70, on a eu beaucoup de rapports entre criminologie et politique, évidemment. C'était les 68, non, et tout ça. La criminologie critique aussi est arrivée. On a eu le très connu livre de Melozzi et Pavarini, Carcere et fabbrica, no? Prison et usine, oui. Prison et usine. Il y avait à Bologna un groupe de criminologie critique très fort avec Melozzi et Pavarini. Melozzi avait étudié à Berkeley. On a eu dans cette période alors toute une élaboration. On n'a pas eu tellement de contraste entre, disons, les anciens et les nouveaux. Par exemple, mon professeur Canepa était très traditionnel. Il était lié à l'Église, etc. Mais il m'a beaucoup, disons, lancé dans l'université. Il m'a fait, j'ai fait la carrière pour lui, etc. Même si j'avais des idées politiquement opposées aux siennes. Alors, il y a eu une certaine collaboration, disons, entre différentes positions en criminologie. Si on regarde les extrêmes des rapports entre criminologie et politique, il faut dire que les années 70 ont été aussi les années du terrorisme, non? Et nous avons criminologues dans les victimes du terrorisme et dans les auteurs du terrorisme. Tu sais, un des chefs de Brigade Rouge, à un certain point, a été le chef, a été Senzani, qui était un criminologue. Hein? Était un criminologue à Florence, à l'université. Allora, on a eu des criminologues, disons, Brigade Rouge, et des criminologues victimes de Brigade Rouge.
un exemple de la radicalisation. Oui, 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 extrême, extrême. C'est quand même impressionnant qu'il se décide à tuer quelqu'un des universitaires qui théoriquement sont là pour la tolérance. Ça m'échappe toujours. Il y a un point où ça m'échappe, la radicalisation parfois de l'extrême gauche. Ouais, non, il y avait une logique parce que les réformateurs aidaient le système à survivre. Hein. Ils devenaient des ennemis parce qu'ils aidaient le système à survivre. Et pour ça, j'étais en quelque sorte, ils faisaient marcher le système. Non? Alors, ils devenaient des ennemis des réformateurs. Mais c'est quand même des anecdotes. Ouais, la vie est faite des anecdotes. On pourrait raconter l'histoire aussi sur la base des anecdotes. Mais c'est intéressant que tu as connu le chef des Brigades Rouges. Oui, mais je ne savais pas à ce moment-là. Bien, dans ces années-là, on a eu une élaboration critique contre les institutions totales et tout ça. Et on a été beaucoup influencé par l'interactionnisme, disons, dans les côtés critiques. Et après ça, on a, disons, les chaires d'anthropologie criminelle, écoles de spécialisation, et dans les décennies plus récentes, dans les années 90, se sont développés plutôt ce que nous appelons master de criminologie, qui sont des postgraduate school en criminologie. Il y a au moins 8 ou 9 universités qui ont organisé des master de criminologie. Je dirais que comme histoire, on peut s'arrêter là. Peut-être vous avez des questions à poser. Oui, là, justement, là, il y a deux points, à mon avis, qui sont importants pour ce passage. Donc, dans les années 70 ou 70, il y a la criminologie critique qui s'installe. Hein. Mais il y a pas, est-ce qu'ils vont créer des chaires de criminologie à ce moment-là ou pas? Alors, en général, les sociologues italiens se sont très peu occupés de criminologie. C'est une anomalie italienne. Il y a quelqu'un, par exemple Barbagli, qui a fait des études très intéressantes sur le vol et sur l'immigré, mais même les critiques de perspective sociologique comme Melos et Pavarini, ils étaient dans des facultés de droit. Ce n'était pas dans des facultés de sociologie. Les sociologues se sont très peu occupés en Italie de criminologie. Ça, c'est une anomalie italienne. Donc, ils étaient plutôt, les criminologues critiques, ils étaient plutôt dans les facultés de droit, Pavarini. Oui, 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 oui. Parce que je me souviens aussi, bon, la première fois que j'étais en Italie pour des questions de criminologie, c'est toi qui m'avais invité, on s'était connus à ce congrès de l'AICLF, l'Association internationale des criminologues de langue française, mais je me souviens que Marcio Barbagli, en 1999, il avait organisé ses colloques sur les crime drop, bien avant les livres de Blumstein, ou Blumstein. Il y a ces livres en italien. Oui, 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 je sais. Et donc, c'était quand même précurseur, là, à ce moment-là. Il y avait Gary Lafri qui avait participé, donc plusieurs personnes pour ces... Je te dis, c'est peut-être l'unique sociologue qui avait fait vraiment des recherches, s'est intéressé beaucoup de criminologie. J'ai fait un livre avec lui, un livre sur la criminalité en Italie, avec différents chapitres. La criminalité en Italie et la prévention, oui. Et il y a une autre chose là, juste pour comprendre l'évolution, hein, parce que donc Pavarini, il est co-auteur de Carceri Fabrica, donc la prison et l'usine, mais dans les années 1990-90, comme on dit dans d'autres pays, il y a le projet Città Sicure qui se met en place, oui, non? Oui. Oui. Mais c'est assez cool et tout ce que j'ai lu, c'était plutôt prévention situationnelle. Bon, il disait qu'il voulait plutôt faire de la prévention sociale. Il n'aimait pas être défini comme prévention situationnelle.
C'est un projet qui est né avec beaucoup d'ambition et Pavarin était un des consultants. Et la région a financé, ils ont fait quelques recherches pour, sur la peur du crime, etc. Et ils donnaient de l'argent aux municipalités pour des projets aussi d'insertion sociale ou pour la police locale. Quand tu dis la région, c'est Emilia-Romagna. Oui, Emilia-Romagna. Mais enfin, n'a pas eu un grand succès, ce projet-là. Je veux dire, oui, confronté à la réalité, donc il n'a pas proposé changer le monde. Oui, il a été aussi critiqué pour ça, donc, par ceux qui étaient plus radicaux, etc. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, la réédition de Carce de Fabrica s'est faite après la mort de Pavarini. Donc je me pose la question s'il revendiquait ce livre comme... Ah oui, il était encore vivant quand ils ont préparé la nouvelle édition. Ah, c'est okay. Le dernier mois de sa vie, mais je crois qu'il a participé en quelque sorte. Ok, parce que je me demandais si on a parlé justement de l'évolution des idées de certains auteurs. Donc chez lui, c'est évident, disons, en lisant ce qu'il oui, publie. Déjà, il est resté fidèle à une perspective progressiste de la société, évidemment, mais avec des aspects de collaboration avec les pouvoirs locaux, etc., des choses comme ça. Ouais. Et là, je me permets aussi une autre chose, quelque chose qui m'a étonné en regardant ta bibliothèque et quand tu montres tes livres, il y a beaucoup de traductions à l'italien. Par exemple, le livre de Racinovich, Adventures in Criminology, il est traduit à l'italien. Il y a beaucoup de traductions à l'italien de livres de criminologie actuels. Comment fonctionne ça? Est-ce que les éditoriales vous posent la question? Dans les années 70, alors, on a eu déjà un certain nombre de livres traduits. Et cela est lié surtout à un professeur que j'aurais dû nommer, qui est le professeur Ferracuti, Franco Ferracuti. Franco Ferracuti a été une exception dans notre, disons, panorama de criminologie, parce qu'il était médecin. Alors, il appartenait à notre monde, disons, lié à la médecine, mais il était plus américain qu'italien. Il a étudié avec Wolfgang aux États-Unis, à Philadelphie, et il a adopté une perspective sociologique. Il était un très, 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 très bon professeur. Il vivait entre États-Unis et Italie. Et alors, il portait en Italie, disons, des produits américains. Il faisait traduire, l'a traduit lui-même, par exemple, le livre de Radzinovich, c'est lui qui l'a traduit. Alors, c'est lui un peu qui a fait ça. Donc, plus récemment, par exemple, Barbagli a insisté pour traduire. Par exemple, le livre de Pinker a été traduit en italien récemment. Il y a un certain marché, disons, qui est intéressé. Il y a des maisons d'édition qui sont intéressées à ce domaine-là, qui ont fait traduire le livre, oui. Oui, mais je me demandais si c'était Ferracuti qui a enfin, réussi de réintroduire la sociologie dans la criminologie italienne. Ou... Ferracuti a été le premier, peut-être, après la guerre, à introduire un peu cette approche. Mais Ferracuti était un homme qui n'avait pas tellement d'élèves, n'avait pas une école. Il voyageait toujours entre États-Unis. Il a été une année à Puerto Rico pour les Nations Unies. Son influence a été limitée. Et au contraire, il était d'une génération plus ancienne que la mienne, Ferracuti. C'est plutôt ma génération qui a introduit l'approche sociologique. Alors, c'est la génération aussi de Malossi, Pavarini, la mienne. Et c'est aussi à l'intérieur, disons, des écoles de criminologie, des facultés de médecine, que les jeunes ont introduit une approche plus qui n'était pas limitée à l'approche clinique, alors qui ont un peu diffusé cette approche plutôt multidisciplinaire, sociologique, etc. Et là aussi, bon, j'ai eu la chance de discuter avec le fils de Franco Ferracuti, qui est professeur de psychologie, qui participe à la Société italienne de criminologie. J'ai vu qu'il publie dans la Rassegna.
Et, et le fils de Farracuti. Ah oui, 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 oui. Parce qu'il parle parfaitement espagnol justement à cause de cette expérience au Porto Rico. Ah, oui. Oui, j'ai pu discuter un peu avec lui finalement pour le repas. J'étais assis à, un autre endroit, mais j'ai regretté de ne pas pouvoir discuter un peu avec lui bah, sur son père aussi, hein, sur, sur l'histoire. Oui, oui, oui. Il est plutôt orienté à la psychiatrie légale, tu sais, le fils de Farracuti. Il fait les expertises pour le tribunal, des choses comme ça. Ouais. Et bon, encore une petite question. Donc, tu m'as parlé de, tu nous as parlé de la, la relation avec les Brigades Rouges, mais est-ce qu'il y avait aussi des connexions? Par exemple, l'Église est tellement forte en Italie. Hein? Il y avait aussi la Loggia P2. Il y a aussi des liens avec les mass médias. Je me souviens. Bruno, qui était souvent dans les porte-à-porte, juste pour ceux qui ne connaissent pas, porte-à-porte, c'est un late night show italien, pas tellement late, hein, c'est à 10 heures du soir, mais c'est, ouais, tout est discuté dans, porte-à-porte. Hein. Ces liens-là, est-ce que c'est trois liens différents que j'ai mentionnés, tu peux prendre n'importe lequel. Hein. Oui, oui. Non, la chose importante qu'il faut dire, c'est que dans son dernière période, la criminologie a été un peu polluée. Aux États-Unis, on appelle crime analysis ou police scientifique ou criminalistique, c'est-à-dire l'étude de la scène du crime. No? Ouais. Et à la télévision, on présente comme criminologues surtout des personnes qui s'occupent de trouver les criminels à travers les signes ou à travers le DNA, ou tout ce, la génétique, toutes ces choses-là. Et ça, c'est aussi un équivoque, parce que si tu parles avec les personnes qui ne sont pas à l'intérieur du monde scientifique, il y a une confusion entre criminologie comme science qui étudie les crimes, la réaction sociale au crime, etc., et l'aspect détecter les criminels. Hein. Et ça, c'est un peu une dérive dans ces dernières années. La criminologie est devenue très populaire et il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire les criminologues, mais ils pensent que la criminologie, c'est la science de trouver les coupables, de trouver ceux qui ont commis un délit avec les méthodes plus scientifiques, etc. Alors, il y a cette confusion qui caractérise les dernières années de la criminologie en Italie. Et là, donc, juste pour refaire un peu les liens, donc, il y a d'abord les spécialisations que tu as mentionnées. Dans les années 70-70, tu vas créer les spécialisations à Genova, il y a aussi à Turin et à Rome. Mais à Modena, à Bari aussi, après. OK, ça, c'est des spécialisations qui sont un peu à côté de ce mouvement de criminologie critique. Il n'y a pas... Ou peut-être à Bologne, il y avait, ou à Padova, il y avait, je ne sais pas s'il y avait une spécialisation. Ce n'était pas à l'intérieur des écoles de spécialisation. Les écoles de spécialisation, c'était surtout dans les facultés de médecine. Et bon, et là-dedans, il y a eu cette évolution que je t'ai dit. Ouais. Les jeunes ont porté des approches différentes, etc. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu as donc, dans la partie plus institutionnelle hein, en médecine, oui. Oui, oui. Une approche large, disons. En même temps, tu as un groupe de criminologues critiques qui sont en dehors de ces écoles-là. Oui, c'est plutôt peut-être, des juristes. Peut-être parce qu'ils mettaient même en question la dénomination criminologie. Donc, probablement, ça aurait été contradictoire pour eux de devenir criminologues. Bon, ça, c'est plutôt un problème français. Hein. En Italie, on n'a pas fait de bataille pour éliminer les mots. Comme en France. OK. Et alors, c'est quoi? C'est le mouvement, ces passages de spécialisation dans lesquels tu as formé plusieurs criminologues qui sont aujourd'hui un peu partout. Ouais. Ces passages à ces post-grades qu'on appelle master en Italie, c'est à cause justement de ce qu'on appelle... je sais qu'en Italie, on ne parle pas de Bologne, hein, mais dans le reste du monde, on dit toujours le plan Bologne. Oui, c'est ça qui vous force à passer des écoles de spécialisation à ce programme de post-grade? Non, c'est une autre raison. C'est qu'à un certain moment,
les facultés de médecine ont pu faire des écoles de spécialisation seulement si existaient dans d'autres universités en Europe. C'était comme une règle européenne. C'était seulement en Italie qu'il y avait des écoles de spécialisation en criminologie dans les facultés de médecine. On a été obligé d'abandonner ça. Ah, c'est ça, ah, c'est ça la vraie raison. Je ne savais pas. C'est une raison bureaucratique, disons. Parce que ces spécialisations-là, si je me souviens bien, hein, la première fois que j'étais là à Garniano del Garda, Oui. à une réunion, ça doit être 1998, je pense, c'était des spécialisations de 3 ans, 2 ou 3 ans. Hein. 3 ans. Ah, tu vois, 3 ans, on passe d'une formation de Oui, 3 ans. mais c'était des spécialisations qui étaient. On pouvait participer même si tu travaillais, parce que tu étais un juge, par exemple. On Ouais. faisait un après-midi, après un autre. Tu sais, ce n'était pas fréquenté toute la journée. Hein. C'était un jour par semaine ou quelque chose comme ça. OK, mais on passe de 3 ans 3 ans, oui. à des formations qui durent une année en principe, ou Une parfois. année. Mais le nombre d'heures, c'est presque le même. OK, et il y a aussi en même temps une sorte de démigration de criminologues italiens vers l'Angleterre. Il y a quand même beaucoup de criminologues qui ont quitté l'Italie Hein? ces 10 ou 15 dernières années. Évidemment, si je commence à faire une énumération, je vais oublier quelqu'un, mais. Oui. Il y a quelqu'un, oui. Il y a aussi quelqu'un qui est venu, comme Nelken, hein, Oui. David Nelken, est venu en Italie. Ouais. Mais oui, mais il y en a un certain nombre qui est parti, oui. Comment tu expliquerais ça? Est-ce qu'ils ne trouvent pas leur place? Oui, il ne trouve pas la place ici. Et maintenant, est toujours plus difficile parce que en médecine, selon moi, la criminologie va terminer parce que. L'approche lombrosienne est terminée. Il n'y a pas vraiment raison de maintenir à l'intérieur des médecines des cours de criminologie. Alors maintenant, la criminologie s'est un peu développée dans les facultés de psychologie, dans les facultés de, on appelle sciences de l'éducation, pédagogie. Et dans les droits. Et je pense que l'avenir, c'est plutôt dans cette direction que dans la médecine. Dans la médecine, on continuera avec la psychiatrie légale, parce qu'il y a certains criminologues qui, en même temps, sont criminologues et psychiatres légaux. Moi aussi, j'ai fait dans ma vie des expertises psychiatriques pour le tribunal, par exemple. Certains de mes collègues, par exemple, Catanesi, qui a été président della Società Italiana di Criminologia, una delle sue attività principali è di fare delle expertise psichiatriche per il tribunale. Allora, il y a un peu ce mélange-là. Cela va continuare, ma la criminologia, in tant che scienza di ricerca sul crime, sulla délinquance juvénile, sulla violenza, eccetera, va se déplacer vers la. Ou psychologie, ou pédagogie, un peu les droits, et peut-être qu'en sociologie, on fera quelque chose aussi. Une chose qui m'avait étonné en regardant un peu la situation à l'Université catholique de Milan, c'est qu'ils avaient très peu de professeurs en criminologie, 2 ou 3, et une vingtaine de professeurs en sociologie, alors qu'il y avait davantage d'étudiants en criminologie qu'en sociologie. Bon, ça dépend des organisateurs, ça. Disons que, par exemple, notre master, ce que nous appelons master, qui en réalité c'est un postgraduate school, a un grand succès parce qu'il offre des compétences qui sont utilisables par les avocats, par exemple, par les psychologues dans les tribunaux, etc. Les sociologues, par exemple, n'ont pas tellement d'avenir en termes de travail, parce qu'à dehors de l'université, en Italie, il n'y a presque rien. Au contraire, ceux qui font ces masters en criminologie peuvent utiliser leurs compétences dans les prisons, dans les tribunaux, pour les expertises, etc. Et cela présente
Une des raisons du succès de ces post-grad school en criminologie. Qui sont attachés toujours à la faculté de médecine pour le moment. Pas partout. Eh. Ah, ok, ok. Donc... Bari, c'est lié à la médecine. À Rome, par exemple, non, ce n'est pas la médecine. À Florence, c'est la médecine, la gène médecine. À Messina, maintenant, c'est les droits qu'il a pris. Avant, c'était Gaetana, maintenant, la retraite a été reprise par le professeur de droit pénal qui l'a adopté le master en criminologie. À Rome, n'est pas la médecine. Alors, c'est un peu un mélange. Une moitié, c'est la médecine, l'autre, c'est les droits ou la science politique, etc. Ouais. OK, parce que finalement, c'est quand même une certaine anomalie que l'Italie, qui est un peu le berceau de la criminologie moderne, c'est finalement un des rares pays d'Europe occidentale qui n'a pas un vrai bachelor, donc un grade en criminologie, et un vrai master en criminologie. Hein. Et doctorat, il n'y a pas. Alors, doctorat, il y a le doctorat de Savona, oui. Transcrime, oui, transcrime, pardon. Ah, parce qu'il y a, mais Ernesto aussi, il a un master en 2 années. Hein. Oui, ce serait les seuls finalement. Oui. Doctorat, il y a aussi quelque chose à l'intérieur des droits pénals. Il y a des parcours criminologie, par exemple, à Trento, il y en a un. Alors, il y a quelque chose. Et à Trento, c'est probablement parce que Transcrime d'Ernesto Savona, juste pour expliquer, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui vont. S'il y a des gens qui regardent ça, ils ne sont pas forcément formés. Donc, Transcrime, c'est un institut de recherche en criminologie fondé par Ernesto Savona, d'abord à Trento et à Milan, et maintenant ils ont aussi des associations avec d'autres universités, non? Oui, Perugia, oui, d'autres universités. Oui. Mais un des élèves de Savona a fondé un centre à Trento qui s'appelle eCrime, et là aussi ils ont essayé d'activer un doctorat, mais à l'intérieur du doctorat de droit pénal. Donc, pour toi, bon, l'avenir donc, de la criminologie, hein, parce que j'ai regardé un peu, nous avons regardé avec Liven un peu ce qui est publié dans la Rassegna Italiana de Criminologie, hein, parce que c'est finalement là qu'on voit un peu ce qui s'est fait dans le pays. Hein. Oui. J'ai bien compris, il y a 2 séries. Donc, il y a eu une première période de la Rassegna et une deuxième qui commence en 1997, c'est juste? Oui, mais il y a une continuité. Hein. C'est Catanese qui a pris. Avant, était publié à Gênes, c'est nous que nous les publions. Après, notre maison d'édition est terminée, alors a pris la relève Catanese. Il a trouvé une maison d'édition. Mais c'est, disons, le groupe qui organise, c'est un peu toujours à l'intérieur de la société, et c'est ceux qui font référence à la médecine, aux anciens, disons, groupes de criminologie. Bon, nous avons publié ensemble dans la Rassegna. Oui. Mais online, elle commence vers la fin des années 90. Je pense que c'est 1997, 97. Mm-hmm. Mais avant, il y avait quelque chose dans les années 80, dans les années 70. Oui. Il y avait la Rassegna. C'est le même titre, la même revue, seulement les propriétaires éditeur était différent, mais a toujours été organe de la Société italienne de criminologie. Et d'abord a été Canepa, poi a été Bandini, après a été Catanese, qui a une continuité. Ok, donc c'est... Ok, maintenant je comprends, parce que ces exemplaires-là, ils ne sont pas online. Il y avait la même fonction pour le même type de clientèle, disons. Et la société italienne, donc... Bon, je devrais le savoir parce que je suis membre honoraire, mais quand est-ce qu'elle commence concrètement? Je crois qu'officiellement, elle a commencé avant la guerre, mais l'activité a repris dans les années 60, 50, 60, je pense. Parce qu'une chose qui m'a étonné, là, quand j'ai commencé à aller à Garniano, donc on était dans cette villa Feltrinelli, et il devrait y avoir, je ne sais pas, 60 personnes. Je ne sais pas s'il y avait, bon, peut-être un peu plus. Mais tout d'un coup, il y a eu une explosion du nombre. Hein, de... Non, mais à Garniano, quand il y avait 60 personnes,
C'était un congrès de la société des Ah, philologues de langue oui, française. ITL, oui. Et quand, mais nous faisions aussi les congrès de la société italienne de criminologie, mais au moins une centaine nous avons Ah, une toujours eu. centaine, oui, c'est juste qu'on Mais les voyait pas. maintenant, il y a 400, 500 personnes. Et c'est surtout avec ces masters qu'on a, disons, beaucoup élargi le nombre d'associés, etc. Parce qu'on a au moins une dizaine de masters. Et chaque master, chaque année, produit une 20-30 personnes qui prennent ce diplôme. Alors, c'est une multiplication dans les années qui est importante. Alors, une partie reste en quelque sorte fidèle au professeur, etc. Elle vient intéressée à venir au congrès, il s'inscrit à la société, etc. Ah, ok, oui, parce que non, je suis allé au premier, les premières fois que je suis aussi allé à la société italienne, c'était encore à Garniano, ok, une centaine, mais je me souviens la dernière fois que c'était à Garniano, c'était impossible à suivre parce que il y avait les présentations très courtes des personnes, finalement, il a fallu se déplacer, mais il y a quand même un succès très important du public, donc qui est soutenu par ces. Par ces post-grades, c'est bien de comprendre ça, hein, parce que c'est une histoire assez différente à celle qu'on voit dans d'autres pays européens. Ouais. Et tu penses qu'ils sont à risque, ces post-grades? Non, parce qu'ils fonctionnent bien. Il fonctionne bien, oui, il fonctionne bien. Et chaque année, on a des personnes qui veulent participer. C'est la chose plus importante maintenant dans la criminologie italienne, parce que c'est une façon de maintenir vivante la discipline et donner des cours, etc. Parce que tu vois, maintenant, dans les facultés de médecine, comme enseignement, il n'y a presque rien. Hein? Avant, c'était la chose plus importante. Alors, il y a des cours de criminologie dans des facultés, comme je t'ai dit, de droit, de psychologie, de pédagogie, etc. Mais pour créer en quelque sorte des personnes déjà diplômées, etc., qui s'intéressent à la criminologie, c'est surtout ces post-graded ces masters qui sont utiles et intéressants et qui maintiennent vivant la criminologie, les congrès, et la société, etc. Oui, c'est parce qu'on voit aussi au nombre de personnes qui participent, des chercheurs établis en Italie qui participent à la Société européenne de technologie, Oui, qui est un nombre relativement élevé. Mais donc, ok, c'est intéressant de voir comment elle a trouvé son chemin de différentes manières. Elle s'est réinventée, disons. il y a beaucoup d'écoles, donc l'école où le paradigme, si tu veux, le plus dominant maintenant, en Italie, qu'est-ce que tu dirais, qui a beaucoup d'influence sur la politique criminelle. Je me demande, parce que ici, en Belgique, comme dans tous les pays, il y a des différentes écoles et il y a de différents types de criminologie et la politique criminelle est influencée par différents types de criminologie. Et en Belgique, on voit par exemple la prévention sociale et la réhabilitation, donc des théories sur la pénologie. Mais en Italie, qu'est-ce que tu dirais, les écoles dominantes maintenant qui ont eu beaucoup d'influence sur la politique? Oui, alors dans le passé, on a eu une influence remarquable, je pense, de la criminologie, des criminologues dans certains domaines. Peut-être le plus important, c'est la justice des mineurs, parce qu'à la fin des années 80, on a eu une réforme de la justice des mineurs qui a été très influencée par nous, criminologues, parce que la délinquance juvénile. Moi, j'avais une chaire de criminologie juvénile. Ma première chaire s'appelait criminologie juvénile. Moi et d'autres, par exemple, à Rome, surtout Gaetano De Leo. Gaetano De Leo ha eu une énorme influence sur la nouvelle
loi des mineurs qui a été mise en place dans les années 89. C'est une loi qui a beaucoup changé l'intervention de l'État pour les mineurs antisociaux et délinquants. On a par exemple fermé toutes les maisons de rééducation et on a créé des petits foyers, des groupes gérés par les municipalités. Hein. Au lieu de grandes institutions d'État, on a transformé et on a réduit le nombre de jeunes en prison, qui sont vraiment un très petit nombre. On a décentralisé l'intervention, on a, disons, déinstitutionnalisé. C'était un peu la vague aussi d'antipsychiatrie, no? Basaglia et tout ça. Alors, on a eu une énorme influence sur la façon, disons, de gérer les mineurs déviants ou délinquants. Et ça, c'était une influence remarquable. Pour les adultes, aussi, on a eu une certaine influence. Par exemple, nous avons beaucoup insisté pour les mesures alternatives à la prison, la probation et tout ça. Et on a introduit des changements aussi à la fin des années 80 pour adopter ce type de mesures. Alors, il y a dans le domaine aussi de la drogue, on a eu des changements et là aussi, les criminologues ont eu une certaine influence. Je dirais que les criminologues, surtout dans les années 80, 90, etc., ont eu un rôle d'influence réformatrice. Hein? Après, on a eu toute cette città sicure dont nous avons déjà parlé, en région Emilia-Romagna, dans plusieurs villes, on a adopté un peu ce schéma de prévention sociale, quelque chose de prévention situationnelle, etc. Maintenant, la criminologie, il y a un peu cette dérive plutôt sécuritaire. Hein. Dans certains masters, par exemple, s'appelle criminologie et sûreté, criminologie et investigation criminelle. Alors, il y a un peu ce que j'appelle une dérive, disons, une orientation que je n'aime pas vers la sécurité et l'investigation qui, selon moi, n'est pas vraiment criminologie, mais qu'on appelle criminologie. Une autre influence, on peut dire, c'est qu'on a créé des centres de médiation. Et surtout à Turin et à Milan, on a eu des criminologues comme Ceretti, comme Scatolero, qui ont beaucoup poussé pour appliquer la médiation dans la justice des mineurs et quelques cas aussi pour les adultes. Et alors là aussi, on a eu une certaine influence des criminologues sur la politique criminelle. Ce sont ça, surtout, je pense, les choses, les influences. En ce qui concerne le paradigme, bon, on ne peut pas dire qu'il y a un paradigme dominant. Il y a des criminologues qui ont élaboré des théories, des réflexions épistémologiques sur la criminologie, très intéressantes, surtout à Milan. D'autres qui ont appliqué, par exemple, la psychanalyse comme Verde à Gênes à l'étude de la criminologie, ou peut-être plus important, l'approche narratologique, narrative criminology comme méthode. Et il y en a quelqu'un qui a élaboré ça comme Verde o come Francia, come Binic. Je travaille beaucoup là-dessus comme étude, disons, théorique. Et une autre chose importante, c'est l'aspect de psychiatrie légale, parce que ce sont surtout des criminologues qui ont lutté pour abolir les hôpitaux psychiatriques, qui étaient des institutions encore très anciennes, parce qu'on avait aboli
les hôpitaux psychiatriques normaux, mais on avait laissé les hôpitaux psychiatriques judiciaires en Italie. Et alors, récemment, on a aboli ça et on a créé dans chaque région des petites unités pour gérer les cas de délinquants, malades mentaux, dangereux, etc. Alors ça, c'est un grand changement et ce sont surtout les criminologues qui ont poussé pour changer ce système de gérer ce type de délinquance. Ça, je dirais, sont, disons, les influences plus importantes de la criminologie italienne sur la politique criminelle. Donc, dans les années 80-90, est-ce que c'était plus simple d'avoir une influence sur le politique? Est-ce que la division actuelle des forces politiques, bon, en Italie, c'est une tradition, cette division des forces politiques, mais il me semble qu'actuellement, le débat est beaucoup plus tendu. Et donc, introduire actuellement des mesures raisonnables devient beaucoup plus difficile parce qu'elles sont utilisées par l'opposition pour attaquer le gouvernement directement. Est-ce que c'était moins marqué avant ça? Oui, non, disons que les grandes réformes dont j'ai parlé sur la justice mineure, les mesures alternatives, c'était dans une période de réformes et dans lesquelles aussi, je t'ai dit qu'on a eu des lois de décentralisation, no, de l'État aux municipalités. Alors, dans les grandes municipalités du Nord, c'était la gauche qui dominait. Et cela a permis diciamo, a criminologue réformateur de proposer des réformes à niveau local qui étaient adoptées. Et même les gouvernements locaux demandaient aux criminologues de faire comme consultants pour produire des changements dans les réseaux d'assistance, etc. Par exemple, à Gênes, j'ai travaillé avec la municipalité dans des programmes de réforme. Et c'était des programmes, et il y avait aussi une sorte de décatégorisation. Hein. Par exemple, moi, je me suis occupé des institutions pour jeunes, mais pas seulement pour les jeunes déviants. À Gênes, il y avait 3 000 enfants dans des institutions, qui étaient des orphelinats, institutions pour enfants pauvres, pour handicapés, etc. Et on m'avait demandé d'aider pour changer les choses. Alors moi, j'avais organisé des groupes avec la municipalité, pas moi seul, non, c'était des groupes de travail, etc., évidemment. Mais nous sommes passés dans quelques années de 3 000 à 300. Hein? Et ça, disons, parce qu'il y avait un esprit de réforme dans ces années-là, qui maintenant n'existe plus, évidemment. Et alors, c'était possible de faire beaucoup de choses, par exemple, dans les institutions pour jeunes, même dans les prisons pour jeunes, on a introduit beaucoup de changements, etc., parce que c'était un climat politique qui permettait ça. Maintenant, il n'y a plus ce climat-là, évidemment. Mais c'est quand même intéressant. Donc, c'est lorsque la décentralisation permet d'agir au niveau local, et au niveau local, on peut faire des choses qui probablement au niveau national ne pourraient jamais passer. Évidemment, évidemment. Et cet esprit, justement, de réforme, bon, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a changé, hein. C'est difficile de trouver une raison, mais est-ce que tu as une intuition? Qu'est-ce qui a changé? À quel moment, tu sais, Mario Vargas Llosa, il a dans son premier livre, Conversación dans la cathédrale, il se pose la question: en quel momento se nous jodió le Pérou? Hein? À quel moment? Je sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a un moment où il y a une cassure dans cette évolution? Bon, c'est une progression, on ne peut pas dire qu'il y a un moment exact. Disons qu'il y a eu une dizaine d'années dans lesquelles il était très facile intervenir, réformer, etc. Et après, certaines choses sont restées. Alors, toute la réforme pour les mineurs est restée. Il n'y a pas eu une régression. Les institutions, les petites institutions qu'on a créées,
tous les travaux sur les quartiers, etc., est resté. Mais c'est institutionnalisé, il n'y a plus cet esprit, disons, de changer les choses, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une coupure, c'est une lente progression qu'on a eue. Je te remercie parce que la réponse facile, c'était de blame it on Berlusconi. Hein? Oui. Non, parce que tu sais, Berlusconi, c'est aussi, c'est pas la cause, c'est aussi l'expression del periodo. On ne peut pas dire que c'est lui en personne. Qui... Oui, mais il y a juste une chose après, bon, je sais qu'on arrive, on a beaucoup parlé, mais quand même, comment ça se fait qu'il n'y ait pas une thèse sur cette évolution? Parce que si j'essaie de voir l'évolution des mineurs en Italie, c'est difficile parce que les statistiques, elles ne sont pas publiées avec les adultes. Donc, pour montrer cette diminution dont tu parles, il faut creuser, il faut aller demander les données. Mais comment ça se fait qu'il y a personne qui a fait une thèse, ou peut-être elle existe, mais elle n'est pas publiée en anglais ou en français ou en espagnol ou dans une langue que je maîtrise? Parce que c'est comme... Il y a énormément de choses que tu nous as dit aujourd'hui qu'on ne connaît pas. Tu vois, le fait que vous avez eu une influence sur l'emprisonnement des mineurs est quand même quelque chose d'intéressant. Comment ça s'est fait que personne ne l'a étudié, ça, et ne l'a publié quelque part? Non, moi je l'ai publié. Oui, Il y a des articles sur ça, moi, même en anglais, en français, j'ai publié sur cette évolution, oui. Il y a quelque chose, il faut le chercher. Donc, il y a quelque chose, je n'ai pas lu, donc c'est mon ignorance, mais, oui, mais je n'ai jamais trouvé un article concis, mais je me suis trompé peut-être. J'ai t'enverrai, parce qu'à ce moment-là, j'ai écrit des articles, j'ai publié sur la justice des mineurs, l'évolution, soit en français qu'en anglais, j'ai publié sur une revue canadienne, justement, en français, bon. Je t'enverrai ça. Là, on a publié beaucoup en italien, à ce moment-là, on écrivait, etc. C'est un peu partout dans l'Europe, hein, quand tout le monde publiait dans sa propre langue, et enfin, c'est pas un problème entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas l'histoire européenne, et c'est très difficile de reconstruire l'histoire européenne. Par exemple, quand on compare ça avec la situation en Angleterre ou les États-Unis ou l'Amérique du Sud, c'est plus facile parce que tout le monde parle la même langue et on se comprend. Donc la diversité de l'Europe est une difficulté pour essayer de trouver l'histoire parce que tout le monde publiait dans sa propre langue. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et par exemple, en Belgique, on a vraiment commencé à publier en anglais, disons, au début, enfin maintenant, donc les années 2000, enfin aussi avant, mais en masse maintenant. Et il y a beaucoup de choses qu'on avait publiées seulement néerlandais, français, et je suppose que c'était partout, en Italie, en Espagne, en France. Moi, je pense qu'on l'Iven, mais il y a une chose aussi que peut-être qu'on n'a pas dit. Hein? C'est toutes tes collaborations, par exemple pour le sondage de l'enquête autoreportée. Hein? Finalement, il a été conduit partout en Italie grâce à un réseau qui a été créé. Hein? Oui, ça c'est une chose intéressante, je trouve. Tout le monde était beaucoup. Moi, j'ai fait partie, tu sais, de ces groupes dès le début, qu'il y a au moins 20 années. J'ai fait la première, la deuxième et la troisième édition. Et tout le monde était toujours surpris de la méthode que j'ai utilisée, parce que tout le monde avait besoin d'argent pour faire la recherche, c'était toujours difficile à trouver. Et moi, j'ai toujours fait ça sans argent, parce que j'ai utilisé des chercheurs de différentes universités. Je promettais de publier quelque chose s'ils participaient à la recherche. Et la gens me demandaient de participer. Tu te souviens quand Coluccia t'a demandé si tu pouvais parler avec moi pour l'introduire dans la recherche? Et alors, j'ai demandé aux différents chercheurs des universités, chacune a organisé la cueillette des données, j'ai coordonné la chose, sans argent pratiquement, on a réussi. Et ça, c'est selon moi un signe de la...
bonne collaborations qu'il y a entre différents groupes de criminologues en Italie. Partout, il y a quelques contrastes, conflits, mais disons, en général, il y a un très bon esprit de collaboration entre nous. Parce que je ne sais pas si tout le monde sait, donc tu as coordonné un groupe, ça a permis de conduire les sondages dans, je sais pas, il y avait 10 ou 15, je ne sais pas les Oui. chiffres exacts. Le maximum était 15. Dans les deux, dans les trois, c'était 8. Bon. Donc c'est un consortium des 15 universités qui passent les sondages. Non, c'était 15 villes. Les universités Merci. étaient 8 ou 9 universités, Ok, oui. mais quand même, tu mets 8 ou 9 villes, tu fais, réussis à les faire sur 15 villes différentes, c'est quand même assez impressionnant. Tout ça a été informel. Ce n'est pas que j'ai organisé une. J'ai demandé aux amis, j'ai téléphoné, est-ce que tu veux participer? Alors il fait faire ça, ça, ça. Oui, envoie-moi le questionnaire. Alors, après, nous avons fait à Gênes comment dit, la définition des écoles dans lesquelles aller. Ils ont envoyé à nous l'indication des écoles. Nous avons donné les critères pour l'échantillonnage. Nous avons coordonné la mise dans les SPSS des données. Et après, chacun l'a utilisé. Nous avons fait un livre ensemble, des articles, etc. Mais oui, ça a été intéressant de voir comment était facile de collaborer dans différents chercheurs. Peut-être nous étions tous dans la Société italienne de criminologie. Nous avons une certaine sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, qui nous a permis de faire ça. Ça reste un exemple, je pense. Tandis que dans d'autres pays, il y a une université qui essaye d'accaparer tout et qui finalement n'arrive pas à faire une recherche représentative ou doit se centrer sur quelques. L'exemple. Bon, en Belgique aussi, vous vous êtes bien arrangé avec les deux régions, mais ce n'est pas le cas partout. Non. Loin de là. Loin de là. Oui, j'ai trouvé que c'était un très, très bon exemple de collaboration. C'est peut-être lié aussi à ton charisme, Alberto. Hein? Le charisme, ça ne sert à rien si les personnes n'acceptent pas. Mais quand même, convaincre une quinzaine de personnes, une dizaine d'universités, ce n'est pas une tâche facile. Hein? Et coordonner tout ça. Moi, j'ai exploité en quelque sorte un réseau existant. Et c'est le réseau de la Société italienne de criminologie. Et comme j'ai été secrétaire avant, après président, j'ai toujours participé au congrès, etc. Alors j'ai exploité ça. Alors, bon. Non, mais Bien, ça. je pense qu'on peut terminer ici. Si vous avez encore quelques questions, je ne sais pas, mais je pense qu'on a peut-être trop parlé. Non, mais on a fait un beau tour, hein. Oui, mais c'était vraiment intéressant. Je voudrais vous remercier parce que c'était aussi le premier interview et on a l'idée que maintenant on peut enfin récréer l'histoire de la criminologie en Europe partout et c'est vraiment absolument intéressant de pouvoir parler avec les personnes qui ont le plus d'expérience dans la matière. Donc pour nous, c'était vraiment absolument super chouette.